bonjour et bon réveil à tous et merci d'être là. En ce lundi, oui, nous sommes lundi 18 juin, nous aurons le plaisir de recevoir une championne et pas n'importe quelle championne. Elle a tout juste 12 ans et elle est déjà champion en titre, champion d'Algérie dans sa catégorie, donc des moins de 12 ans, et puis également championne d'Afrique et championne du monde arabe. Elle vient de décrocher ce dernier trophée tout récemment. On verra un petit peu ce trophée sur le plateau tout à l'heure, mais également la jeune prodige en matière de jeu d'échecs va réaliser une petite prouesse, une première sur ce plateau, puisqu'elle va jouer en simultané aveugle contre deux adversaires chevronnés et adultes par-dessus le marché. Donc voilà, elle va s'attaquer à cela dans un petit moment. On va voir cet affrontement et puis voir un petit peu ses possibilités, même avec les yeux bandés. Voilà qui est dit par rapport à notre championne de jeu d'échecs, Tinhinen Abdelaziz, qui sera accompagnée de son père également, de Monsieur Marwan Tabti, qui est arbitre international de jeu d'échecs et puis instructeur de la FIDE, c'est-à-dire la Fédération internationale de jeux d'échecs. Ce matin, nous aurons aussi le plaisir de parler de solidarité, bien sûr, grâce au témoignage une dame, pas n'importe quelle dame également, puisqu'elle est très active dans le domaine associatif. Elle milite depuis des années pour les enfants malades. Il s'agit de Nassera Arsouli Boudriche, présidente de l'association de la chaîne de l'espoir pour le Maghreb, l'ACEM, pour ceux qui la connaissent déjà de l'autre côté, et pour ceux qui ne connaissent pas, ici, ben voilà, l'ACEM, c'est cette chaîne d'espoir pour le Maghreb, dont l'activité principale est l'aide aux enfants malades du Maghreb, notamment les nécessiteux parmi eux. Voilà qui est dit aussi par rapport à cette deuxième séquence. Troisième séquence de cette matinale, c'est la rubrique accessibilité, régulièrement animée les lundis par Mustapha Boufellah, qui n'est pas seul ce matin, puisqu'il sera accompagné de Samir Khmissi, qui est président fondateur de l'association Stop Agression routière. Aujourd'hui, gros plan sur les victimes des accidents routiers, mais notamment ceux qui sont usagers, qui utilisent les véhicules à deux roues, en l'occurrence les motos, les scooters, etc. Donc on va voir un petit peu les dangers qui planent autour de cette catégorie en particulier de conducteurs de motos et bien sûr qu'ils soient victimes ou également donc carrément voilà qu'ils soient juste utilisateurs. Voilà pour cette séquence également. Et puis ce matin, nous recevrons également le docteur Wahib Alkhel, qui est vétérinaire de la direction des services agricoles de la ville d'Alger, détaché pour justement servir au sein de toute une équipe des services d'hygiène, je dirais, de la circonscription administrative. Donc gros plan également ce matin sur les efforts consentis par ces équipes sur le terrain à l'approche de la saison estivale. Et bien sûr, c'est vraiment très bien ce qu'ils font en matière de contrôle de qualité, mais également d'assainissement et d'hygiène. Voilà un petit peu la composante de cette matinale. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous resterez jusqu'au bout avec nous. Et pour commencer, bien sûr, un point météo avec Amel Larabi, comme nous vous avons habitué. À tout de suite. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, Sahaïdek. Sahaïdek. C'est pas présenté nos voeux. Ah bon? T'as oublié enfin, tout à l'heure? En coulisses, si, si. Ah, mais pas en direct. On renouvelle? Oui, on renouvelle. Bon, on ferait mieux de renouveler nos voeux à tous ceux qui nous suivent. Et aujourd'hui, ce Exactement. Matin, Sahaïd Koum, effectivement, pour ceux qu'on aurait ratés, parce que le week-end, c'était bien sûr Ahmed. C'est mal. Qu'est-ce qui se passe C'est qui aujourd'hui? C'est qui Ahmed? On salue quand même les Ahmed qui nous regardent ce matin, mais bien sûr, c'était Mahrez Rabia C'était Mahrez, oui. Qui avait reçu les téléspectateurs de Bonjour d'Algérie durant les 3 journées de l'Aïd. Exactement, Donc, oui. Voilà.
Ça va, ça s'est bien passé Très pour bien, vous? En famille, oui, ça va. Tranquille. Tranquille, tranquille, c'était bien. Vous avez préparé beaucoup de gâteaux? Oui, oui, oui. Vous avez mangé beaucoup de gâteaux? Pas trop, non. Franchement, non, pas trop. Non, non, j'étais raisonnable. Oui, vous étiez plus dans le plaisir du partage. Exactement, et, oui. Et des essais, j'imagine. Parce qu'on essaie toujours une nouvelle recette. Exactement, oui, ça va. C'était réussi. Oui. Bravo, bravo. J'imagine qu'on va apprécier également votre météo, Amel, de Inch'Allah, tout de suite. Oui. Moi, j'ai vu un temps un peu mitigé ce matin. Je n'ai pas compris cette brume qui plane sur Alger. Oui, c'est de la brume. Exactement. Ouais. Vous l'avez bien dit. Est-ce que ça annonce quoi? Ça annonce le beau temps et la chaleur. Ah. Et la chaleur, d'accord, en plus. Voilà. D'accord. Merci, Radia. Merci à vous. Alors, bonjour et bon réveil. Sahaïd, comme encore une fois. Donc, pour aujourd'hui, Météo Algérie a prévu quelques brumes locales sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, laissant place à un beau soleil tout au long de la journée, avec toutefois quelques passages nuageux sur les régions de l'Est. Par contre, la moitié sud, excepté quelques voies sur le sud-ouest, la Sahara, l'extrême sud, ainsi que vers le Sahara oriental, avec une tendance orageuse vers ces régions. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Au Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, le Hégar et le Tassili. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va faire chaud durant cet après-midi. Et Météo Algérie a prévu un maximum de 32 degrés du côté de Mascara, 28 à Alger, également Tizi Ouzou, 38 pardon à Mascara, 28 à Alger, Tizi Ouzou, 32 à Oran, 33 à Tlemcen, 26 degrés à Annaba, 28 à Séti, 27 degrés à Batna, 34 à Albeya, 30 du côté de Djelfa, au sud 38 degrés Gardaïa, 37 Biskra, 40 degrés à Béchar, 41 Tindouf, 42 Hassim Saoud Ouargla, 44 degrés Illizi, 39 Tarman Rasset Djanet, 46 degrés à Adrar et enfin le maximum cette fois-ci à Ain Salah, Boudjbedj Mokhtar, Inxam avec 47 degrés. Et comme d'habitude, on va faire une petite escale du côté de l'Europe où le ciel s'en montrera maussade et capricieux avec de la pluie, plus exactement à Paris, Bordeaux, Dublin, Budapest, Varsovie, Bucarest, également Athènes et Rome, un voile de nuages du côté de Lisbonne, passagers nuageux, Marseille, Berlin, Copenhague. Mais par contre, le ciel brillera de tous ses feux à Madrid. Le mercure, quant à lui, affichera 22 degrés à Dublin, 24 à Londres, 21 à Copenhague, 23 à Berlin, également Paris, 29 Marseille, 24 à Prague, 27 à Budapest, 26 Bucarest, 32 degrés à Rome et Madrid et le maximum cette fois-ci à Lisbonne avec 33 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Un temps capricieux, vous disiez, oui, à l'instant, oui, du côté de Berne. Exact. Avec de la pluie. Ça veut dire qu'il en... Voilà, il fait comme il veut, le temps. Voilà. C'est bien ça. Exactement, capricieux, d'où le terme. Ouais, il veut pas laisser le printemps s'installer de ce côté de la planète. C'est bientôt l'été, en plus. Hein. Oui, on est vraiment à quelques jours, ce jeudi. À J-3, même, du 21. Le jeudi. Eh ben, on verra bien d'ici là. Ah oui, on va voir. On va voir s'il si va, ça change. S'il va garder ses caprices jusqu'au bout ce temps. On va voir l'évolution. Merci beaucoup, Amel. Passez une excellente journée. Et également. On se quitte en chanson. Avec plaisir. Voilà, il y a notre amie Amina Bohamdani qui nous propose tout de suite d'écouter et de voir le clip de Kachou. Laïra.
C'était là une chanson interprétée par Feu Katchoullah Yerhmou. Et tout de suite, sans plus tarder, on reçoit nos invités de la rubrique Accessibilité. Bienvenue, Mustapha. Merci. Ça va? Je vous ai manqué, chef. Je suis Alik. Merci. De lundi, je suis attelé. Je pense que vos fans savent maintenant la raison. Ils connaissent un peu la raison de votre absence la semaine dernière. Ouais, ouais. Non, je m'excuse auprès d'un petit accident. C'est une assiette de shorba qui m'a agressé. Oula. Je préfère oublier. Je plaisante. Ça va? En tout cas, prompt rétablissement encore une Merci, fois. Merci, je souhaite bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Bonne fête de l'Aïd à Merci bien. Également. Et puis surtout à Samir, mon invité aujourd'hui. Oui. Qui, on va parler des accidents de la circulation routière. Samir Khmissi, bienvenue. Merci. Voilà, je le disais tout à l'heure au début de l'émission que vous étiez membre fondateur et président actuel de Stop Agression Routière. Stop Agressivité Routière, c'est un autre slogan. Stop Agressivité plutôt. Stop Agressivité. Je suis un bénévole, bon, on n'est pas une association, mais là j'ai commencé à activer depuis 2014, donc je suis à ma 39e action. Notre but c'est d'essayer de faire de la prévention, sensibiliser le maximum de conducteurs. Vis-à-vis de l'hécatombe qu'on a sur le territoire national. Absolument. Surtout les deux roues. Tout à fait. Surtout les deux roues qui sont pratiquement données à n'importe qui, jeune, qui n'a pas de formation de conduite des deux roues, à ce moment-là, on lui donne un deux roues qui est très puissant, et donc il crée des accidents. Ou alors, vous avez vu, vous voyez sur les autoroutes, des jeunes qui roulent sur une roue arrière, en faisant les fous, bien sûr, et ça, c'est très dangereux. Oui, en fait, ce sont parmi les accidents les plus fréquents, après ceux des véhicules à 4 roues. Bon, c'est évalué à 12,9%. Oui, 12,9%, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'on attend, peut-être moi, je suis un peu, vous savez, quand on a eu la décennie noire, avec tout ce qu'on a eu, ça, on a perdu un peu des statistiques des accidents de la circulation, bien entendu. Mais c'est un fléau maintenant, puisque c'est lui qui engendre plus de décès. Non, pas vraiment. C'est-à-dire, mais disons que c'est de plus en plus fréquent, voilà. c'est un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui dure depuis longtemps. Depuis que le véhicule existe, il y a eu des accidents de la circulation qui sont mortels ou pas. Non, je parlais du taux d'accidents attribués aux deux roues. Oui, mais je crois que c'est le premier, maintenant, c'est le premier fléau, le premier qui crée des handicapés, qui crée des personnes en situation de handicap. Oui, parce que quand même, le conducteur de la balance est très gênante. Pourquoi? Par rapport à la consommation est de 5% par rapport au parc. Et il y a eu 12,8%, donc c'est très énorme. Oui. Très énorme. Voilà. Donc c'est là il y a eu l'intervention du centre de prévention routière. Donc ils ont accentué sur ce sujet parce que ça c'est une alarme qu'ils ont sonné. C'est très grave. Et de plus nos jeunes délinquants, qu'ils ont donné une mauvaise image aux vrais motards et aux motards exemplaires. Donc voilà. Donc ces jeunes là, ils n'ont pas où s'extérioriser. C'est pour ça qu'on lance un appel pour essayer de leur créer des petits endroits ou s'amuser, ou faire leur exhibition. À la limite, s'ils ont envie d'accéder à un sport extrême, qu'ils le pratiquent dans un terrain quand même protégé et réglementaire. Dans un endroit bien encadré, avec la protection civile, avec un staff bien précis. Oui, on peut faire de la motocross, quand Tout on est fait. Vraiment épris de vitesse, épris de cascade, voilà, etc. Voilà, exactement. Même il y a une fédération algérienne du sport mécanique, donc on fait un appel pour qu'ils s'inscrivent, qu'ils feront leur licence et qui vont s'entraîner dans des conditions bien, bien déterminées. Oui. Vous savez, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à vouloir venir sur un plateau télé pour justement sensibiliser autour de ça? C'est une bonne question. Figurez-vous que lors du 27e jour du Ramadan, la prévention routière a organisé une soirée d'animation avec des cadeaux, avec un partenaire que je ne citerai pas, c'est un partenaire automobile. Tout le monde se connaîtra là où il y a le losange. D'accord. Voilà. Donc, ils ont offert des cadeaux à des handicapés, à des personnes qui sont à Tixérine, qui sont pensionnaires d'hôpital de Tixérine. Pourquoi Tixérine? C'est parce que c'est l'hôpital qui reçoit plus
de personnes qui sont accidentées de la circulation routière. D'accord. Le service donc, traumatologie travaille beaucoup. Voilà, voilà. Et vous savez que quand on a un accident de moto, la moto, pourquoi je prends la moto ? Parce que d'abord, c'est un véhicule motorisé qui n'a pas de protection. Voilà. Le conducteur est la très voiture, fragilisé vous avez des comme protections, ça. Des protections. Là, on voit défiler justement des affiches où il y a vraiment un appel au port du casque, oui, par exemple. Oui, oui. Ouais, donc, c'est très important. Donc, moi, j'ai rencontré mon ami Samir, et c'est là-bas où j'ai eu l'idée de faire un sujet sur les accidentés de la route, parce que, surtout, axer, si vous voulez, notre information sur les deux roues. Oui. Comment donc protéger ces conducteurs? Comment éviter justement tous les abus? C'est bien cela. Tout à fait. Comment endiguer ce nouveau phénomène de chauffard sur deux roues? C'est un petit peu vos objectifs, vraiment, si j'ai bien exactement, compris. Exactement, c'est notre objectif. Il faut qu'on sensibilise le maximum des jeunes. Moi, personnellement, je suis un conducteur de moto. Ça fait plus de 35 ans que j'utilise la moto. C'est une passion pour moi. Donc, on essaie de donner la bonne image et le bon exemple. Notre mission, c'est vraiment de sensibiliser les nouveaux conducteurs, ces jeunes délinquants qui s'amusent anarchiquement comme ça. Et ce n'est pas facile, croyez-moi, de faire passer le message. On essaie de focaliser un moyen pour essayer de trouver une formule, pour essayer d'attirer les jeunes, essayer de développer des petites actions attractives. Pour essayer de réduire ce taux d'accident. C'est très intelligent, en tout cas, de votre part. C'est de joindre l'utile à l'agréable. À par le ludique, les messages passent parfois très, très bien et beaucoup mieux. Et puis, vous savez, pendant, ils ont un programme avec la prévention routière, avec M. Nate. Cet été, ils vont longer les côtes la côte d'Alger, des plages. Et ils vont essayer de sensibiliser les jeunes à la prévention de... Oui. Je voulais que vous nous expliquiez. Donc c'est une caravane. C'est une caravane. Une caravane qui nous attend. On a eu l'accord de principe du Centre national de prévention routière. Donc on attend juste l'accord du ministère de l'Intérieur. Donc ça sera une caravane qui va démarrer de Annaba jusqu'à Tlemcen, jusqu'à Corsé. J'imagine, d'est en ouest. Voilà, donc ça sera une action qui va s'établir sur 20 jours. Et chaque arrêt, donc on fera 2 jours de sensibilisation sur place dans les wilayas. Donc le but, avec des shows, comment vous allez attirer donc comme le centre prévention routière va mettre à la disposition des citoyens, ça sera des simulateurs de conduite. Très bien. Il y aura des ateliers de dessin pour enfants aussi. Et de notre côté, du côté de Stop Agressivité Routière, donc, on va faire des petites démonstrations en moto et créer des petits circuits, ce qu'on appelle des circuits des gymkhana, pour avoir une meilleure maîtrise de la moto. Mais par contre aussi, on lance un autre appel aussi, c'est au niveau des auto-écoles. D'ailleurs, on a un partenaire avec nous qui sera présent. On lance un appel pour ne pas délivrer les permis anarchiquement, parce que ça devient un fléau qui a pris de l'ampleur. Il faut quand même rendre la chose un peu plus difficile. Tout à fait. Et ces gens-là, ils sont en train d'encourager cette criminalité, malheureusement. Et c'est pour cela qu'on lance un appel pour délivrer les permis d'une manière pédagogique. Pour essayer de réduire ces accidents. C'est-à-dire que vous essayez un petit peu de juguler les problèmes à la base, en amont, avant qu'on arrive à la verbalisation qui apparemment n'a pas apporté de fruits cette année. C'est-à-dire qu'on verbalise, on les arrête, met ton casque, amende, etc. Ça continue, le chiffre est le même cette année. Voilà, mais je crois qu'il y a un peu de réticence pour arrêter des jeunes avec des scooters, je pense, de la part des... C'est pas une mauvaise intention que je lance au niveau. Je dis pas que les policiers ne font pas leur travail. Non, bien au contraire. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement pris par les automobilistes qui commettent aussi eux des infractions, soit le téléphone, soit le port de la ceinture de sécurité, etc. Moi, je crois que il faudrait maintenant agir sur les concessionnaires de motos pour la prévention routière. Il faudrait que leur dire. Certes, vous avez le droit de vendre des scooters, ça c'est votre business, on ne veut pas rentrer dans le business. Mais il faut aussi que le vendeur, le concessionnaire ou l'agent commercial soit un peu pédagogue avec le jeune pour lui expliquer que la moto est dangereuse et que voilà comment il faut s'y prendre. Ou alors faire un petit circuit auquel le concessionnaire fait essayer ses motos, ses scooters
par les... Mais ils sont tenus, les usagers sont tenus de passer par l'étape du permis de conduire. C'est pas pour toutes les motos, il y a quelques motos comme ça qui n'ont pas besoin de... n'a pas besoin de permis de conduire. C'est un permis de circulation, un permis de circulation qui est délivré au niveau de la wilaya. Effectivement. C'est un document qui... D'ailleurs, c'est... Quand on parle de permis, c'est un document qui va protéger la personne. Même en cas d'accident, demain où la victime sera appelée à être présentée au niveau de la justice, donc s'il n'a pas un permis, c'est un défaut de présentation. Bien il n'aura pas d'ailleurs ses droits vis-à-vis de l'assurance. Donc on lance toujours l'appel, le permis, c'est un document qui va protéger le conducteur. Voilà, c'est très important. Vous savez, moi je crois qu'il faudrait... Moi personnellement, j'ai assisté à une distribution de tricycles pour handicapés. Et que ce soit l'Office national d'appareillage ou un partenaire privé, il offre le casque. Le casque, notre partenaire offre le casque avec une assurance d'une année. Voilà, mais le casque, vous avez tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il a une durée de vie de 3 ans. Tout à fait. Tout à fait. Ce casque est homologué. Il est homologué. Ça, c'est un casque jet. Il y a plusieurs types de casques. Il y a le casque intégral, il y a le casque modulable. Ça, c'est un casque qui est destiné pour le scooter. Par contre, il est homologué. C'est-à-dire aussi qu'il a une durée de vie. On doit le changer après un certain nombre d'années, ça, 3 ans ou 5 ans. Et il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que le casque tombe de notre main, comme ça il va perdre un peu sa rigidité. C'est très important. Par contre, je lance aussi un autre appel, une chose très importante. Moi, je mets toujours mon nom, mon prénom avec le groupe sanguin. On ne sait jamais, ça va... En cas d'accident, ça aide. En cas d'accident, on va aider le CHU ou la protection civile pour accéder aux formalités. On ne sait jamais, on a oublié notre permis. Donc c'est une chose très importante. Par contre, il y a un ami qui a créé un autre sticker avec plus de détails, mettre les maladies chroniques et les personnes à contacter. Donc c'est un sticker qu'on peut le faire au niveau d'un sérigraphe, c'est très simple. Ouais. Mais ce casque a une durée de vie de 3 ans donc. 3 à 5 ans, ça dépend des types, des marques. Et quels sont les casques actuellement vendus qui ne sont pas, disons, est-ce qu'il y a des casques? Il y a des casques qui ne sont pas homologués malheureusement. Ils sont sur le marché. Ils sont sur le marché, donc voilà. Et donc lorsqu'on fait des actions, donc on arrête des jeunes utilisateurs, donc lorsqu'on s'aperçoit que le casque n'est pas homologué, on fait la remarque et on leur conseille d'acheter des casques homologués. Oui, c'est pour un petit peu les protéger. Tout parce à que, fait. En fait, depuis tout à l'heure, on parle des dangers qui planent autour des motards. Et il faut dire que quand on cite un chiffre effrayant comme 1500 accidents, voilà, les motards sont impliqués dans près de 1500 accidents victimes, voilà. Soit en tant que victimes, ils peuvent être aussi à l'origine de ces accidents. Oui. C'est un peu effrayant, mais il faut dire aussi que la moto est très utile. Tout à fait. Moi, j'aimerais quand même qu'on positive un peu l'usage, parce tout que ça désengorge. Les deux roues sont très utiles. Oui. Par exemple, le vélo est très utile. Les villes sont très congestionnées, c'est nous. Donc, c'est vraiment utile. Il faut encourager quand même l'utilisation de la moto, mais avec modération. Moi, je suis en longueur de journée sur la moto. Oui. C'est un moyen qui me facilite la tâche. Donc, surtout dans les embouteillages. Surtout adjacentes les grandes villes. Donc on a un flux qui est de 8 millions de véhicules qui transitent à adjacentes. Ça devient infernal. Et donc c'est la moto, c'est le moyen le plus accessible. Donc, voilà. Mais par contre, on n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit toujours le côté positif et négatif. Donc vis-à-vis de certains conducteurs de voitures, on n'est pas protégé, ou bien les camions. Vous donc, savez, moi j'ai remarqué, c'est dommage, beaucoup de motards, je dis bien des motards, des pilotes de scooters ou de motos, conduisent leur moto avec des tongs ou avec des shorts. C'est pas beaucoup. Il faut dire que c'est interdit. On dit pas beaucoup, c'est une minorité. C'est mais cette minorité a donné la mauvaise image. Moi, actuellement, je suis le porte-parole des motards algériens. Alhamdoulilah, je suis très connu à travers notre page Facebook Stop Agressivité Routière. On a plus de 3000 amis qui nous soutiennent et qui soutiennent nos actions. C'est un honneur pour nous. Et ces gens-là, on les retrouve dans chaque meeting, chaque événement. C'est des gens extrêmement exemplaires. Je leur tire chapeau. Et ils sont en train de combattre aussi ces jeunes. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Il y a la part de responsabilité des parents. Bien sûr, par oui. Ça. Les parents, il y a aussi les auto-écoles. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre la main dans la main pour donner la bonne image. En tous les cas, pour information, c'est dans le monde entier, il y a ces jeunes. Oui, absolument. Il y a ces jeunes qui sont délestés, qui ne sont pas encadrés, tout à fait. Mais il faut qu'on encadre ces jeunes.
il faut qu'on essaie de développer des petits endroits pour les laisser des s'extérioriser. Des espaces, voilà, appropriés. Voilà, tout à fait. Et Inch'Allah, on arrivera à un résultat positif, c'est-à-dire réduire au maximum les accidents de la route. En tout cas, j'espère que votre caravane d'été sera, Inch'Allah. Aura ses fruits à la rentrée. On essaiera justement de capter la caravane, il faudra nous informer, Monsieur Messi. Merci en tout cas vous de nous avoir parlé apporté. Tout à l'heure, pardon, Nadia, vous avez parlé rapidement, tout à l'heure d'un terrain de motocross. Oui. Il y avait un terrain de motocross à Baynem, et là, il a disparu. Ben voilà, l'appel est lancé pour relancer ça avec la commune en question. Et j'espère que voilà, il y aura écho à cet appel ce matin. Merci en tout cas Samir Messi et bon vent pour votre caravane d'été. Merci. Relative à la sensibilisation autour des motards et vraiment les dangers qui planent autour de... Voilà, et des gens qui les entourent également. Bien sûr. Merci Mustapha, on vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. On se retrouve lundi prochain, tiens. Très bien, vous allez piquer une tête là? Je vais aller à l'apéro chez mes copains, on va plonger d'ailleurs, ce week-end. Excellent, excellent. Je te souhaite un bon week-end, Mustapha. Merci, vous aussi. Quant à vous qui êtes avec nous ce matin, voilà, transition tout de suite avec un reportage qui va nous emmener vers la Mitidja à l'occasion de la visite de Mariam Moussaïd, notre reporter, d'un atelier de tannerie. Voilà, un métier qui se perd de plus en plus, mais voyons hélas. Un petit peu comment il est préservé dans cette région de l'Algérie. Chez les Chboub, le cuir est une histoire de famille depuis déjà 3 générations. Mon père, il était le premier exportateur de la peau brute et la laine en 1948, vers la France et la Turquie à l'époque. Et à l'époque, il tenait tête aux Juifs qui étaient ici en Algérie. Wallah. Pendant la guerre de libération, peut-être 54, mon père il a été au maquis. Bon, en 62, on a repris notre métier d'origine. On a commencé à faire la collecte de la peau, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Zoubeir Chboub qui reprend le flambeau en créant une tannerie-mégisserie aux normes internationales, qui donne une production de cuir biologique 100% algérienne, une fierté qu'il ne cache pas. C'était mon grand-père qui faisait la collecte de la peau dans tous les abattoirs d'Algérie. Et après, c'était mon père. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux, mais je voulais faire la tannerie parce qu'en vendant les peaux dans des tanneries algériennes étatiques, j'ai aimé ce métier. Donc, j'ai eu mon bac ici en Algérie. Après, je suis parti en France parce qu'il y a une grande école du cuir en France, c'est à Lyon exactement, c'est l'école d'ingénieurs spécialité cuir. Le problème qu'en Algérie, ce métier, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Donc j'ai préféré aller dans une grande école qui est connue à l'échelle mondiale, c'est le traitement des peaux de bovins et ovins et caprins. Créée en 1996, la tannerie Métidja est située à Rouiba. Elle traite les peaux d'animaux tels que le bœuf, mouton et la chèvre, issus de l'élevage local. Nous, c'est tannerie, mégisserie Métidja. Tannerie, traitement des grandes peaux. Mégisserie, c'est traitement de petites peaux, tout ce qui est ovin, caprin. La première étape, que la peau elle arrive comme ça, elle est conservée, on met du sel. On fait le premier travail, on fait un lavage, on enlève le poil. Et ça, c'est un travail, on appelle ça la rivière. Techniquement, on appelle la rivière parce qu'il y a beaucoup d'eau. La deuxième étape, c'est l'étape de tannage, c'est-à-dire on va tanner les peaux. Il y a deux tannages, il y a un tannage végétal, il y a un tannage au chrome. Et maintenant, il y a la tannerie Mégisserie Métidja, elle est en train de faire un tannage un peu spécial parce qu'on est des exportateurs. Il y a des Italiens qui demandent un cuir qui n'a pas de chrome, donc c'est un cuir bio. Donc on est arrivé à une certaine technologie de vendre des cuirs bio. Après l'étape de tannage, on a l'opération d'un cuir en semi-fini, c'est-à-dire on va donner de la souplesse, de la couleur au cuir, et on va les sécher, ils vont passer à un séchoir, on va les sécher, on va les palissonner, c'est-à-dire on leur donne de la souplesse avec de l'huile qu'on a mis, et après on va les finir. Et la durée
d'un travail de la matière première jusqu'au fini, c'est 21 jours. Donc pour avoir une peau finie, c'est 21 jours. Voilà, c'est très important. Si on grille une étape, on n'aura pas l'article qu'on a vu. Chaque étape est cruciale et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. On est arrivé à une peau finie, que moi je contrôle de toutes les 21 jours, je contrôle les peaux. Ils arrivent ici à la table, le monsieur, il fait un deuxième classement. Donc les peaux, ils sont classés, ils sont bien échantillonnés, et après ils arrivent à aussi à la fille qui est là-bas, elle va aussi classer, s'il y a une erreur, elle peut voir aussi pour déclasser la peau. Donc on doit faire 3 contrôles, c'est très très important pour exporter, c'est très important, pour une bonne finition, voilà. De nombreux critères de qualité sont exigés au cuir, pour la fabrication d'articles de maroquinerie, de bagagerie ou d'habillement, sans oublier les couleurs qui doivent suivre les tendances de la mode. C'était là un reportage signé Meryem Moussaïd qui nous a emmené en plein de Mitidja à la découverte de ce métier un peu en déperdition. Un métier où l'on utilise les peaux des ovins, des bovins. Et ces animaux en particulier n'ont plus de secret pour notre invité ici présente, Wahib Balekhal, docteur. Wahib Balekhal, bienvenue. Oui, merci. Vous êtes justement vétérinaire de la direction des services agricoles de la wilaya d'Alger. Oui, détaché auprès de la wilaya déléguée d'El Harach. Voilà, donc vous avez mis de côté un tout petit peu, en fait, votre savoir-faire est quand même utile pour cette deuxième mission, oui, où vous êtes détaché auprès de cette circonscription administrative qui compte 4 communes, pas moins, oui, de 4 communes. Déjà, commençons, on vous remercie pour l'invitation. Marhaba. On vous remercie déjà au nom de M. Loueli, délégué d'El Harach, et au nom des bureaux d'hygiène de la circonscription administrative d'El Harach. Très bien, donc je le disais que cette wilaya déléguée couvre pas moins de 4 communes, c'est bien ça? Oui. Oui. On peut les citer quand même? Oui, oui. Nous, on est un bureau d'hygiène de la circonscription administrative d'El Harach. On fait une coordination au niveau de la CA. Donc, CA, c'est-à-dire circonscription administrative d'El Harach. Mm-hmm. Donc, on a 4 communes à, oui, chapeauter, à gérer. C'est la commune d'El Harach, Wetzmar, Badjarah et Bourouba. Très bien. Des communes qui comptent vraiment une densité importante termes d'habitants. Oui, on dit que c'est des quartiers populaires. On dit que c'est des quartiers populaires, vraiment, ouais, très, très, où il y a une grande densité, voilà, d'occupation. Voilà. Et il y a, où il y a énormément de commerce aussi. Oui, on a des marchés aussi. Voilà, on a des marchés importants, oui, tels que le marché de Bejrah et le marché d'El Harach. Très bien. Voilà. Donc, si vous êtes aujourd'hui parmi nous, c'est pour un petit peu un gros plan sur les missions de cette commission, oui, en particulier. Et bien sûr, à travers votre travail, on va découvrir un petit peu ce qui se fait sur, voilà, le terrain, dans tout le pays, en, voilà, fait. Donc, vous préparez l'été, tout comme nous, on prépare nos petites valises, nos, voilà, cabas, etc., pour aller profiter du soleil. Vous vous déployez sur le terrain pour préparer, voilà, l'été à votre manière. Voilà, donc on prépare la saison estivale, oui, on dit saison estivale. Ouais. Voilà. Dans cette préparation, nombreuses sont les missions, nombreux sont les moyens de protéger le citoyen. Voilà. Donc, vous êtes à la base, au service de cette protection. Voilà. Donc, de quelle manière vous le faites? Oui, donc on fait un programme déjà, commençons par une organisation. Donc, on trace un programme, mm-hmm, conjointement avec le contrôle de la qualité et des prix. Donc, c'est des commissions, on fait des brigades mixtes en commission. Donc, elle est composée de la commune, le bien, bureau d'hygiène de la Daïra ou la circonscription, la sûreté de Daïra, la protection civile et le contrôle des prix. Oui. Donc, c'est une brigade mixte qui est complexe. Voilà. Et vous intensifiez les efforts pendant la saison estivale, voilà, parce que les dangers, voilà, qui planent autour de, voilà, du consommateur sont décuplés parce qu'il y a la, voilà, chaleur qui s'installe. Voilà, donc pour éviter toute intoxication, mmh, alimentaire. Donc on fait un programme chargé concernant les commerces, les marchés. On a un abattoir aussi au niveau de notre circonscription, c'est, mmh, l'abattoir d'El Harach. Oui. Donc voilà. Vous contrôlez le travail dans quotidiennement ce, voilà, et automatiquement.
Voilà. Oui, la qualité de, voilà. du bétail qui arrive, voilà, voilà. etc. Voilà, donc, on a des vétérinaires qui sont détachés de la direction des services agricoles auprès de l'abattoir de l'Harraj. Très bien. Voilà. Donc, hormis les opérations d'assainissement, donc, qui sont vraiment nécessaires dans les structures donc, commerciales, vous avez aussi la possibilité de contrôler, vous avez eu la possibilité de contrôler durant ce mois de Ramadan écoulé oui. des endroits. Comment dire, éphémère. Oui. Comme oui. ce qu'on appelle voilà, les restaurants. Restaurants Ar-Rahma ou Mat'am Ar-Rahma. Donc, c'est un programme c'est des restos qui rentrent parmi les inspections qu'on fait. Voilà. Donc chaque commune a des. Donc, des. Et oui, des et vous avez été très efficace durant ce mois sacré voilà. de Ramadan. Vous vous êtes déployé un petit peu partout dans les quatre communes citées oui. et bien sûr, pour preuve, nous allons voir un reportage tout de suite qui retrace un petit peu les efforts consentis dans le domaine du contrôle de qualité et d'hygiène et des normes d'hygiène. C'est un reportage signé Lamia Boudbouda qui, elle, a suivi vos équipes sur le terrain. Merci. Lekhel Wahiba est docteur vétérinaire. Elle met au point les derniers détails pour une sortie sur le terrain de la commission d'hygiène de la circonscription administrative d'Al-Harraj. Car pour faire face à tout risque de contamination par des produits avariés, l'État intervient à travers des brigades mixtes de la DCP, des vétérinaires, de la protection civile et de la sûreté urbaine. Le bureau d'hygiène de la circonscription administrative d'Al-Harraj établit un programme de contrôle et d'inspection en coordination avec les quatre communes et aussi le contrôle des prix. Donc on a un programme à respecter et on fait des sorties avec la commune, le contrôle des prix aussi. C'est une commission d'hygiène. Et je vous invite à faire une sortie avec nous sur le terrain. Notre premier point sera donc une boucherie du centre d'Al-Harraj. Les éléments de la commission d'hygiène se présentent d'abord avant d'entamer le contrôle des conditions de conservation des viandes, l'hygiène du lieu et du personnel de la boucherie. On demande ces papiers, le registre commerce, les certificats qui accompagnent les viandes et on vérifie l'état des viandes qui sont au niveau des frigos. Voilà, les températures, l'état d'hygiène de la boucherie et des frigos. Voilà, et l'état d'hygiène du personnel de la boucherie, ainsi que les certificats médicaux du personnel de la boucherie. La viande hachée qui est hachée à l'avance, elle est interdite à la consommation. Donc quand on trouve de la viande hachée à l'avance, on la détruit avec le grésil. Verbalisé pour insuffisance d'hygiène et vente de viande impropre à la consommation, le boucher devra répondre de ses actes dans les jours à venir. Notre deuxième point est un restaurant qui sert 1200 couverts jour gratuitement à l'occasion du mois de Ramadan. Et même principe, tout passe au peigne fin. La première chose, déjà, on vérifie les repas témoins, s'ils laissent les repas témoins. C'est une quantité de nourriture qu'ils préparent la journée, qu'ils laissent 72 heures. En cas d'intoxication, on la prend pour le labo. Donc, quand on rentre, on vérifie déjà l'état d'hygiène général, on vérifie la cuisine, l'état d'hygiène du personnel, les certificats médicaux du personnel. Ces contrôles peuvent être réalisés de manière inopinée ou suite à une réclamation ou une lettre de dénonciation. Donc la vigilance des consommateurs est de mise. Voilà qui est dit un petit peu avec notre reporter Lamia Boudbouda qui était sur le terrain avec oui. vos équipes. Et il paraît que, voilà, c'est vrai qu'on voit des demoiselles qui ont l'air très gentilles, des dames un peu comme vous, et qui arrivent au niveau de ces commerces, mais elles sont intransigeantes. Oui, on a une bonne équipe. Oui. Déjà, je remercie notre équipe de la direction du commerce, c'est-à-dire l'inspection du commerce d'Al-Harraj et les communes, nos communes. Les quatre communes, donc ils font un travail oui
Il y a énormément de commerçants un peu machos hein, oui. dans ces régions-là. Oui, oui. Quand ils vous voient arriver, des dames, ils se disent « Ah, ça va être facile ». Mais en général, ça dépend. Il y a des endroits où on est accompagné par oui. la sûreté urbaine, la sûreté de Daïra. Donc, oui. On prend avec nous la sécurité, vous savez. Oui, nul n'est à l'abri d'une, voilà. d'une colère. On essaye, hein. D'ailleurs, c'est pour faciliter l'inspection. On accuse toujours le mois de Ramadan hein, par rapport aux colères. On dit « Ah, c'est voilà. Relevo Ramadan, voilà. c'est Ramadan ». Mais en fait, il y a des personnes coléreuses. Voilà. On n'y peut rien. Hein. Voilà. Il faut se préserver, donc avoir quand même cette équipe multidisciplinaire. Voilà, chacun en ce qui le concerne. Très bien. Donc, voilà. vos brigades se déplacent. Et pendant l'été, donc il y a eu... ce travail qui a été effectué durant le mois de Ramadan et durant l'été, voilà. on va voir ces brigades un voilà. petit peu se déployer voilà. dans toute la région. Voilà, c'est un travail quotidien qu'on fait, mais on accentue un peu les inspections au mois de en saison estivale. Voilà, voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Donc tout a été préparé, le programme a été tracé. Oui, oui, saison estivale. Excellent. Non, avant de commencer, déjà on a un programme tracé. Et, voilà. Très bien. Et il y a eu des cas comme ça quand même de dénonciation. Est-ce que vraiment les citoyens à Alger, est-ce qu'ils dénoncent vraiment les excès ou vraiment les irrégularités qu'ils peuvent observer? Vous savez, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème dans ce sens-là. Oui. Donc le citoyen n'a pas encore cette culture de dénonciation. Non, hein? non. D'accord. Est-ce que vos services ont pensé, par exemple, à un numéro vert accessible à tous? Un numéro vert, non, on n'a pas, mais... Oui. Donc, puisqu'on est en direct comme ça... Bien sûr. Donc, je propose aux citoyens, on est là. Il y a le bureau d'hygiène de la circonscription administrative de l'Haraj qui est ouvert pour les citoyens et aussi et les consommateurs, ainsi que les bureaux d'hygiène des communes et l'inspection de contrôle des prix de l'Haraj. Donc, on est à votre disposition. Très bien. Voilà. Où peuvent-ils vous contacter? Donc, directement, on est là. On c'est est au là. Niveau des APC? Oui, tout le monde est là. Il est on est présent. Même quand on prend des congés, il y a des intérimaires. Donc, il n'y a pas un service, surtout en saison estivale, il n'y a pas un service qui est fermé dans ce sens-là. Très bien. Donc, vous avez aussi ces campagnes de désinsectisation qui sont oui. fréquentes quand même durant la saison estivale. Oui. Est-ce que voilà, elles ont lieu? Est-ce que il vous arrive, par exemple, d'avoir des signalements de reprise de contamination? Oui. Est-ce que de quelle manière vous agissez par rapport à la désinsectisation? Oui. Ça, c'est un autre volet. Donc, nous, c'est la wilaya d'Alger. Donc, on oui. a une EPIC de la wilaya d'Alger qu'on appelle Urbal. Donc, elle a tracé déjà un programme saison estivale et on travaille en collaboration avec eux. On fait un programme, donc ils font un programme, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a comme ça des plaintes, des citoyens, ou bien quand on s'en renvoie, il y a des anomalies ou quelque chose, donc on appelle le service, la direction de l'Urbal, il n'y a pas de problème. On est en contact direct, on travaille en collaboration, il n'y a pas de problème. Donc ils font des opérations de rattrapage. Très bien. En tout cas, on aura compris que votre mission va s'étaler sur l'été. Donc, voilà. J'espère quand même que vous aurez l'occasion de prendre un petit congé quand même. Oui, je vous ai dit, des oui, congés, vous... il y en voilà. a. Non, mais on ne prend jamais un congé sans intérim. Donc, à chaque fois, il y a quelqu'un. Donc, on ne ferme pas le bureau. Donc, c'est pour ça que je dis aux consommateurs et aux citoyens d'Al-Haraj, précisément parce que je suis à Al-Haraj, on est là. Oui, et vous voilà. avez l'occasion des fois de participer en tant que surveillante sur certaines compétitions. Par exemple. Oui. 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 Je ne sais pas cette année. Normalement, c'est les Jeux africains et tout. On fait de la restauration. Très bien. Donc voilà, les Jeux olympiques et tout. Donc on nous appelle. C'est la direction qui nous appelle pour ça. Oui, parce que les athlètes doivent manger sainement. Voilà. Et tout le personnel. Voilà. Chacun, aussi. Tous les vétérinaires de la wilaya d'Alger est mis dans des endroits bien précis, dans des hébergements et tout, donc pour contrôler. La restauration. Merci beaucoup Wahiba Lekhel. Je rappelle que vous êtes vétérinaire de la direction des services agricoles de la wilaya d'Alger, détachée actuellement auprès des services d'hygiène de la circonscription administrative d'Al-Haraj. Voilà. Donc voilà, bon vent pour toute cette belle caravane qui s'annonce vraiment pour le bonheur des citoyens et des consommateurs. Voilà, merci pour le travail effectué.
Merci. Voilà. Récemment, déjà, je voulais signaler ça. Donc, on est en train de préparer une petite journée sur les intoxications alimentaires. Très bien. Donc, on vous invite si vous voulez. Ça se déroulera où et quand et... C'est normalement, c'est au siège de la circonscription administrative de l'Haraj. Jusqu'à présent, on va être. On va voir. Après, vous allez définir une date précise et nous la communiquer. On vous invite pour assister. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. J'espère en tout cas qu'elle aura écho et qu'elle aura vraiment du succès. Cette Merci. Journée de sensibilisation. Merci. Merci encore une fois, donc Wahiba Alekhel. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour toutes ces missions. Merci. Merci pour cet éclairage. Tout de suite, on continue avec un reportage signé donc Taous Ait Hamouda cette fois-ci, qui elle va nous faire découvrir, une école d'art qui est située à Rouiba et qui est destinée aux enfants. Voyons un petit peu la dextérité de ces graines d'artistes. C'est l'histoire d'un rêve, le rêve d'un jeune musicien, Khaled Ikhtaben. Khaled voulait à tout prix ouvrir sa propre école d'art. Il s'est lancé ce défi et en mois de mai, son école a vu le jour. Grâce à sa détermination, le projet a été élu meilleur projet en CEJ 2017. Voilà, les gens demandent, les gens ont besoin de ça, ils demandent ce genre d'activité, que ce soit adulte, ou enfant, ou ado. Voilà, comme j'ai à peu près 200 mètres carrés, j'ai essayé de programmer toutes les activités en même temps, de programmer pour donner des cours, ce genre d'activité. Voilà. C'est plus facile. Ça fait quand même 2 ans, il m'en a parlé, il m'a dit pourquoi pas on fait une école et tout. Moi je lui ai dit que c'est quelque chose qui est très très intéressant et malheureusement moi j'étais parti ailleurs. Lui il a continué le combat, il a tenu sa promesse, il a ouvert cette école. Et c'est devenu vraiment la République des Arts. Il y a beaucoup d'élèves ici qui se plaisent. Dans cette école, Khaled Ikhtaben a voulu offrir un large choix à ses élèves. Musique, dessin, danse, sculpture et photographie. L'école a pour objectif de faire naître la créativité et le talent de chacun. J'aime la guitare parce que la plupart des chansons que j'aime ont de la guitare, donc j'aime bien. Je suis venue ici, pas juste aussi pour la musique, c'est parce qu'il y a une ambiance très très calme. Alors depuis toute jeune, j'adore la musique arabe. J'adore tout ce qui est Om Kulthoum, Fairouz et tout. Mais malheureusement, déjà, du chant arabe, on n'a que les chorales classiques et tout. Donc c'est difficile de chanter arabe. Et encore moins de jouer des instruments arabes. Du coup, si on veut jouer du luth en Algérie, on a la musique andalouse. Et du coup, c'est la première fois que je trouve des cours de luth arabe, vraiment arabe, tout ce qui est mouachahat et tout. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressée. Je suis là depuis un mois et ça va, ça avance bien. Et si Khaled a décidé d'ouvrir cette école à Rouiba, c'est pour une raison bien précise. Lui qui a grandi à Rouiba, entouré de jeunes très talentueux, il a tout simplement voulu leur offrir un endroit où se retrouver. Une école d'art, voilà ce qui leur manquait. J'ai remarqué par exemple, les gens de Rouiba, ou les gens de Ntaya, la Pérouse, les alentours, c'est des gens qui ont une certaine culture, un certain savoir sur l'art. Et voilà, par exemple, les gens de Rouiba et Ntaya, pour les déplacer jusqu'à Alger, c'est pas un truc facile. Oui. Les erreurs de circulation, moins de problèmes de stationnement et tout. Alors, comme moi je suis, on va dire que je suis de Rouiba, j'ai décidé de faire ça pour les gens de Rouiba et les alentours. Mais je vois que mes adhérents, ils sont un peu partout. Des élèves de 5 à 70 ans ouvrent chaque jour la porte de cette école d'art. C'est la plus grande fierté de Khaled Ikhtaben qui a eu tout simplement raison de croire en ce joli projet.
Pour les adhérents, pour le moment, il y a un mélange de tranches d'âge. Il y a des gens de 5 ans, il y a des enfants de 5 ans, comme j'ai un adhérent qui vient de Tizi Ouzou, il a à peu près 70 ans. Voilà. C'est un amoureux de la guitare. Il vient de Tizi Ouzou chaque samedi, il fait les 2 heures et il rentre chez lui. Ça, c'est un plaisir et voilà. Ça me fait chaud au cœur. Je veux faire grandir les choses et j'espère que je vais réussir. Voilà, on souhaite vraiment tout le succès à cette école et pérennité également de toute cette équipe d'enseignants qui travaillent avec ces graines de petites futures stars, je dirais, voilà, dans les différentes disciplines artistiques que nous venons de voir. Et puis tout de suite, sans plus tarder, j'ai vraiment grand plaisir à vous présenter une graine de championne. En fait, elle est déjà championne en titre, championne d'Algérie dans sa catégorie, plusieurs fois d'ailleurs. Et puis également, elle est championne d'Afrique et elle vient de décrocher haut la main le championnat arabe aux Émirats Arabes Unis. Bienvenue, Tinhinan. Bonjour. Tinhinan Abdelaziz. Oui. Ça va? Oui. Pas trop le trac, ça va? Oui. Non, ça va. Tinhinan, t'as l'habitude quand même, pendant les compétitions, il y a du public, il y a du monde, donc ça va, t'as pas trop peur là, oui. C'est bon. Tu n'as pas peur, surtout que tu n'es pas seule aujourd'hui, il y a papa à côté. Voilà. Donc bienvenue également à vous, à Aouni Abdelaziz, donc non, le père de Tinhinan. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous devez en être fière là. Hein. Oui. C'est votre petite fierté, j'imagine. Elle a tout juste 12 ans. C'est ma réussite en fait. Elle a tout juste 12 ans. Non, 10, 11 ans. 11 ans, elle n'a pas encore bouclé les 12. Non, ouais, voilà. Très bien. Et elle vous a vu jouer? Oui, bien sûr. Ouais. C'est comme ça qu'elle a une idée de jouer? C'est comme ça. Et moi, j'ai essayé de lui inculquer le jeu d'échecs. Et à travers le jeu, les principes et mon expérience de la vie de tous les jours et mon expérience dans le jeu. Pour moi, le jeu d'échecs, ce n'est pas un jeu. C'est un moyen pédagogique. On peut communiquer avec son enfant, on peut communiquer avec son élève. Et on doit le faire pour la réussite de nos enfants. On va parler dans un petit moment de tous vos écrits, parce que vous êtes un passionné de jeu d'échecs, mais voilà. Pas seulement ça. Vous êtes médecin. Je suis médecin. Et, votre ami, acolyte à côté, voilà. Est aussi médecin. Donc il s'agit de Monsieur Marwan Tapti, bienvenue. Merci. Vous aussi, vous avez une grande expérience dans le domaine puisque vous êtes arbitre international de jeux d'échecs depuis pas mal d'années. Et vous avez été aussi instructeur. Vous êtes toujours instructeur de la FIDE, c'est-à-dire la Fédération internationale de jeux d'échecs. Absolument. Et vous avez eu pour élève Tinhinan ici présente à un certain moment. Oui. Comment vous l'avez trouvé, Tinhinan, quand vous l'avez découvert? Par le biais de son père, pour commencer, qui cherchait un club pour sa fille. Donc, on l'a accompagné dans certains de ses premiers pas. Mm-hmm. Ensuite, les besoins de Tinhinan sont tels qu'elle a dû être prise en charge par un groupe d'experts. Très bien. Voilà, et ça a donné ce que nous attendions tous. Par contre, la particularité de Tinhinan, en dehors du fait que c'est une joueuse performante, c'est que c'est une des rares personnes qui soit capable de jouer à l'aveugle. Voilà, et on va d'ailleurs tenter l'expérience sur plateau tout de suite, vous nous l'aviez promis. Donc pour la première fois dans Bonjour d'Algérie, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, Tinhinan va faire une performance puisqu'elle va se couvrir tout de suite les yeux. C'est bien Vas-y, ça. Vas-y, tu mets le bandeau. Tu mets le bandeau. Après, tu auras l'occasion de nous raconter tout ça. Donc elle va mettre son bandeau et elle va affronter deux joueurs chevronnés, adultes comme vous voyez, qui la dépassent en âge et en expérience. Et elle va, eux, ils jouent vraiment avec les yeux ouverts. Elle, par contre, elle a les yeux couverts. On va démarrer tout de suite cette partie en simultané parce qu'elle va affronter les deux en même temps. Voilà. C'est bien cela. On commence. Il faut lui rappeler qui a les blancs, qui a les noirs. Hein. Voilà, moi j'ai les blancs et Dr Tapti, il a les noirs. En fait c'est plus compliqué de jouer les deux. Des couleurs inversées. Inversées parce que ça décuple la difficulté de visualisation mentale et de mémorisation. Bon, sans trop tarder parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc on va commencer. Moi j'ai le premier échiqué et Dr Tapti, il a le deuxième échiqué. Donc je commence E4. Premier échiquier, C5. C5. Deuxième échiquier. Deuxième échiquier. Tu as les blancs, donc E4.
Très bien. La réponse terrée, c'est C5. Premier échiquier. Premier échiquier, je prends cavalier F3. Cavalier C6. Cavalier C6. Deuxième échiquier. Deuxième échiquier avec les blancs, c'est toi qui donnes le coup. Cavalier F3. Cavalier F3. Alors, on a déjà des petits problèmes. A6. A6. Deuxième échiquier. Premier échiquier, j'ai les blancs D4. C prend D4. Deuxième échiquier. Après A6. D4. Alors, C prend D4. Cavalier prend D4. Premier échiquier. Premier échiquier, cavalier prend D4. C prend D4. C'est déjà pris. Cavalier prend D4. Dame prend D4. Cavalier C prend D4, c'est ça? Cavalier C prend D4. T'as les noirs. Ah. Cavalier F6. Cavalier F6, c'est des... Cavalier F6. Oui. Cavalier F6, cavalier... B3. Cavalier C3. C3. E5. Deuxième échiquier. Deuxième échiquier, oui, les blancs. Cavalier C3. Cavalier C3. Oui. D6. D6. Non, premier échiquier. Non, pas D6, B6, D6. D, le pion de la dame. D6. Moi, mon cavalier est attaqué. Vous avez joué E5. Je mets cavalier B5. D6. Premier échiquier. Non, deuxième échiquier. Deuxième échiquier, pardon. Les blancs. Fou E3. Fou E3. Cavalier F6. Premier échiquier. Bon, premier échiquier. Premier échiquier, fou G6. Fou G5. Fou G5, elle corrige. Fou G5. Ah, quelle prouesse, vous voyez, mesdames, messieurs, voilà. elle a été capable de corriger. Voilà, fou G5. Les yeux bandés. Fou G5. Elle corrige les gens qui voient. Voilà. Mais en tout cas, je pense que voilà, la partie peut se prolonger au moins 10 minutes. Voilà. Nous, on voulait juste cet aperçu. Tini Hinnan, je suis sûre que vous allez les battre. Ouais. Mais on va le laisser un petit peu, voilà. Elle enlève son bandeau. Voilà, on va les laisser quand même conserver un petit peu leur honneur. Ouais, c'est la main propre. Voilà, sur ce coup-là... C'est mal parti, je parle. C'est mal parti. Là, c'est mal terminé. Même à la... yeux bandés ou non, je ne peux pas terminer là. Très bien. Tu peux enlever ton bandeau. Tu peux enlever ton bandeau. Hein. Bravo, Tina. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Donc, mesdames, messieurs, voilà, je vous le disais, vous avez vu la promptitude de la réponse, de la réaction de cette petite qui a joué à l'instant, qui aurait pu finir la partie gagnante contre deux joueurs chevronnés. Il s'agit de Tini Hinnan Ablaziz. Tini Hinnan, à quel âge tu as commencé à jouer aux échecs? Est-ce que tu te rappelles? Ça va. Tu avais quand même des souvenirs de 5 ans. Et comment est-ce qu'elle a commencé? Racontez-moi. Elle a commencé à, déjà à... Bah on la voit là, c'est vraiment tout petit. Voilà, là, elle a commencé déjà à disputer les tournois. Oui. Elle avait déjà gagné pas mal de tournois à cet âge-là. Et elle a commencé vers l'âge de 4 ans à connaître les pièces, à mettre les pièces dans l'ordre, mettre dans les bonnes cases. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a commencé. Très bien. Alors, vous qui êtes justement, qui connaissez un petit peu l'esprit du jeu, qui avez aussi écrit deux livres, Monsieur Amine Ablaziz, hein, vous avez été auteur de deux livres. Non, un seul livre, c'est le même titre. C'est le sens le sens caché des échecs. Deux versions différentes. C'est le sens caché des échecs. C'est un livre où j'ai essayé de mettre la similitude qui existe entre les décisions qu'on prend tous les jours et les décisions qu'on prend au jeu d'échecs. Parce que comme la partie d'échecs, c'est un enchaînement de décisions, la vie aussi, donc j'ai essayé de voir, de mettre en clair, en relief
le mécanisme de décision de côté. Voilà. De mémorisation, en fait, c'est un travail. Vous êtes vous travaillez dans la neuro. Moi, je suis médecin. J'ai fait une formation en psychiatrie à Paris. Très bien. Et voilà, comme une passion, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe en neuropsychiatrie, en mémoire et en neurosciences, en mémoire et la concentration. C'est mon thème préféré. Et voilà, j'ai essayé de développer les capacités de mémorisation, surtout le temporo-spatial, avec Tina, avec même bien d'autres élèves, et pour amplifier et intensifier leur mémoire. Quoi. Dans le cas de Tin Hinem, on parle de compétition, on parle vraiment de challenge, etc. Mais ça peut être aussi thérapeutique. La pratique des jeux d'échecs peut être thérapeutique dans certains cas. Voilà, je laisse Dr. Oui, bien sûr. Allez-y, Dr. Tati, qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, Canal Algérie a déjà eu une expérience, puisque sur ce plateau même, nous avons parlé des échecs thérapeutiques avec deux exemples. Mm-hmm. Le premier, c'est dans la prise en charge et la détection de l'Alzheimer. Oui. Et le deuxième, c'était sur l'autisme, un certain type d'autisme, le syndrome de l'Asperger. Ça fait l'objet d'une émission sur Canal Algérie. La porte des échecs dans la prise en charge des autistes, en l'occurrence. Il y a à l'échelle mondiale, un joueur qui fait partie du top 10 mondial, Navarra, mm-hmm. David Navarra, qui est un autiste syndrome Asperger, qui fait partie du top 10 mondial. Il a une hyper... si vous voulez, compétences dans un domaine précis. C'est la caractéristique de certains autistes. Très bien. Et maintenant, les échecs sont recommandés dans toutes les maisons de retraite, par exemple, pour retarder les effets de l'Alzheimer. Oui, excellent. Donc, Tin Hinem, alors ce trophée nous vient des Émirats Arabes Unis. Donc, tu as été finaliste, c'est bien ça, la finale, et puis après, bon, ça va, c'était difficile comme partie? Un peu. Hein. L'adversaire était... C'était une fille ou un garçon? Une fille. C'était une fille aussi. Hein. Et elle venait de quelle nationalité, elle? D'Émirats, de Tunisie, de... Non, mais la finaliste, elle était tunisienne. Émirati, elle était de quelle nationalité? Elle était tunisienne. Donc, le Maghreb hein, en tête. C'est très bien. Donc, voilà, bravo pour ce trophée décroché au Lama. Donc, vous êtes championne, tu es championne arabe, d'accord, depuis cette année. C'est bien. Et là, tu te prépares pour une autre compétition. Comment tu fais pour te préparer, toi? Maintenant, c'est les vacances. Mais quand c'est au cours de l'année et que tu as les cours, comment tu fais? Je m'entraîne, Tu joues à la maison ou tu dois te déplacer au club pour ça? Non, au club. Au club, régulièrement et tout. C'est bien. Oui. C'est bien. J'imagine que tu as beaucoup d'amis là-bas et tout. Donc c'est bien. Tu es en quelle année à l'école? Première année. En première année moyenne. Oui. Première année moyenne. Oui. Bravo, déjà. Ça va vite, hein? Ça va vite. Et comment réagissent tes copines de classe, tes copains de classe quand ils te voient? Ils sont gentils. Ils sont gentils, ils sont fiers. Ils ont envie que tu leur apprennes. Tu as le milhomme. Ça va, elle est un petit peu intimidée, notre Tin Hinem, mais bon. Le passage plateau, donc. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On va travailler la mémoire, la concentration, mais pas ça. mais pas le direct. Il faudra quand même. Il faudra, parce qu'il y a une vie de star, Inch'Allah, qui l'attend. Donc il faudra s'habituer au spot. Inch'Allah. Prochaine compétition donc attendue, au mois d'août. Mois d'août, championnat arabe, championnat d'Afrique. Au Kenya, Nairobi, au mois d'août. Au mois d'août. En principe, c'est la favorite. Au moins le podium. Voilà. Très bien. Et comment se prépare, justement, comment vous la préparez? Là, c'est les vacances, après les examens, le mois de Ramadan et tout. Là, moi, je travaille avec elle à la maison. Il y a d'autres entraîneurs qui la supervisent, qui la coachent. Je cite M. Hiaoui. M. Hiaoui, il est malade. Je souhaite un bon rétablissement. Effectivement. M. Belhadi, le premier grand maître international algérien. Et on essaye de travailler à trois pour
oui. pour donner le maximum. Pour deux étapes, parce qu'il y aura aussi la Grèce au mois de septembre, c'est voilà. bien ça Peut-être que M. Aouni n'est pas au courant, il y a récemment, ça a été décidé il y a moins d'une semaine, il y a le championnat méditerranéen des catégories jeunes en Grèce au mois de septembre. C'est-à-dire peut-être 2-3 semaines après les championnats d'Afrique. Très bien. Voilà, moi je m'occupe surtout, je laisse la technique aux techniciens, je m'occupe surtout du côté visualisation mentale et mémorisation et tout. Et le moral aussi, vous êtes moral, papa. Oui, je suis papa, c'est difficile pour entraîner sa fille, c'est très difficile, c'est trop compliqué, même il y a une partie affective qu'on ne peut pas négliger. Donc je m'occupe de ça pour l'aider dans les entraînements techniques, parce que le jeu d'échecs c'est un océan. Oui. Et on peut se noyer carrément dans les 60 cases d'un échiquier. Bah oui, on voit dans les finales mondiales des parties qui se jouent sur même 2 jours, des fois, ça peut se prolonger, ça peut être très long. Ça peut être très long, il y a des enjeux énormes, et le jeu d'échecs, ça n'a toujours. C'est tout, il y a derrière une simple partie, il y a toujours des enjeux majeurs, il y a des conflits de nations, des conflits d'idéologie, des conflits. Alors on n'a pas beaucoup de temps, mais pour citer les parties mythiques de, par exemple Fischer et Bobby Fischer et Spassky, c'est pas qui restait dans les annales. C'était celle-là. Pas deux joueurs qui s'affrontaient, c'était des deux idéologies, deux entités, l'idéologie l'URSS russe, contre l'URSS les USA à l'époque libérale, de la guerre froide. La partie qui a affronté le duel qui a affronté Kasparov et Karpov qu'on connaît tous depuis les années 80, c'était pas deux personnes, c'était deux idéologies. La nouvelle Russie contre les URSS qui est incarné par le personnage de Karpov. Et jeu d'échecs, ça n'a jamais été un jeu. Moi, dire jeu d'échecs, c'est une science. Il y a autant de livres de jeu d'échecs comme les livres de médecine, voire même plus. Hein, docteur Tabu, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais tout comme les Arabes ont contribué efficacement à l'évolution de la médecine dans le monde et la médecine moderne, ils ont eu aussi leur touche dans l'histoire des échecs. Est-ce qu'on peut rappeler cette page d'histoire? C'est une même spécialité de mon ami Aouni qui a un ouvrage sur la question. Voilà, mon deuxième livre, je l'ai intitulé Le jeu d'échecs, histoire et spiritualité, où je parle de l'histoire du jeu d'échecs. Alors, l'histoire du jeu d'échecs, c'est une histoire qui s'étend sur 6000 ans. Oui. C'est 4000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans maintenant. Donc il est un peu injuste de la résumer en 6 minutes, mais on pense, et d'après les fouilles archéologiques, que le premier échiquier il a été découvert à Ur, ou bien Uruk, dans une petite ville au sud de Bagdad. Et cette ville-là, il y a le prophète Sidna Ibrahim, le prophète Abraham, il est né 2000 ans après la création des jeux d'échecs. Après, on a trouvé des échiquiers partout, un peu partout, 1000 ans avant Jésus-Christ en Chine, 600 ans avant Jésus-Christ en Inde, 1200 en Grèce pendant le siège de Troie où les Grecs ont attaqué la ville de Troie, d'où le cavalier, d'où l'astuce. Le cheval de Troie. En 1500 avant Jésus-Christ, Néfertité, on a des photos. Mais la guerre de Troie n'était-ce pas une légende? Mais bon, c'est vrai que c'était ça une légende, dans le mythe populaire, ça s'est développé. Ils disent quand même, que Palmade, un des héros avec Hector et tout, il a inventé le jeu pour distraire les soldats de Garak à l'époque. Donc l'histoire du jeu d'échecs, après les Arabes, ils ont redécouvert le jeu après la conquête des musulmans à l'empire sassanide, l'empire perse. Ils ont eu le mérite de vulgariser le jeu, parce que le jeu avant c'était un jeu de roi où que les rois ils avaient le droit d'apprendre le jeu pour apprendre à manager, à gérer la population et les citoyens. À l'époque de Harun al-Rashid, il a vulgarisé le jeu, on jouait même dans le marché et le jeu d'échecs, il a été, pratiqué à tous les niveaux de la société, du roi jusqu'au... Sauf que les échecs avant, paraît-il, et ça c'est le docteur Naptik qui m'avait donné cette information, c'est qu'il se jouait avec des dés. Dans certains endroits. Mm-hmm. Par exemple, en Espagne, ils jouaient avec le dé, où l'Église elle a complètement attaqué le jeu comme un jeu de hasard.
Parce que le jeu dedans, ils ont un peu une connotation un peu négative. Et même quand on dit jeu, c'est un peu une connotation négative. Alors c'est un moyen pédagogique. On doit apprendre à jouer avec son enfant ou avec, et on échange les idées de prendre une décision. Parce que tout ce qu'elle a fait, Tinian, c'est de prendre les décisions. Et après, celui qui gagne, et d'asseoir une stratégie. Parce que c'est un jeu de stratégie. Voilà. Et au jeu d'échecs, celui qui gagne, c'est celui qui calcule plus que l'autre. Moi, je m'efforce pour calculer 2-3 coups, elle ou un autre, mon adversaire, il va essayer de faire plus. Donc, la victoire appartient à celui qui est voit, dans l'anticipation. Qui voit, d'anticipation, bien sûr, et qui voit plus loin que l'autre. La puissance de calcul. De prévisualisation. Et contrairement à ce qu'on croit tous, le jeu d'échecs, c'est un jeu d'intelligence, d'accord, à un certain degré, mais c'est un jeu de mémoire et de volonté. C'est la volonté de calculer plus que l'autre. À un moment donné, 2-3, c'est compliqué parce que 2-3, on a déjà des 40, des dizaines, voire des centaines de possibilités. Donc je m'efforce à calculer plus que l'autre. Donc il y a une part de volonté de faire plus que. Et moi, j'ai essayé pas mal de fois des parties de 60 coups. Au bout du 60 coups, elle est pauvre, la pauvre. Elle est morte, la pauvre, parce que ça pompe énormément d'énergie. Et En matière de calcul et de voilà. Surtout en visualisation mentale. En visualisation mentale et prévision. Elle n'a pas le même échiquier qu'on a. Elle ne voit pas l'échiquier en noir et blanc. Elle a des coordonnées. Donc, des coordonnées. Un peu abstraites. Voilà, un peu abstraites. C'est excellent. Voilà. C'est excellent. En tout cas. Bon, le sujet est passionnant. On peut En tout cas, voilà, si on a envie d'en savoir plus sur l'incidence des échecs sur la mémoire humaine, c'est à lire en tout cas. Monsieur Aouni Abdelaziz, votre livre, je le rappelle, Le sens caché des échecs. Merci de nous avoir amené la championne ce matin. Donc, Tinian Abdelaziz, future championne du monde. Inch'Allah. Il y a très du travail. Voilà. Et merci aussi au docteur Tapti, donc Merwan, de nous avoir aussi apporté son éclairage en qualité d'arbitre international et d'instructeur. Le plaisir est partagé. C'était un plaisir, vraiment, messieurs et mademoiselle. Félicitations pour tous ces trophées et puis, Inch'Allah, beaucoup de réussite au prochain jeu, août et puis septembre. Inch'Allah. D'accord, on attendra le trophée. Et tu reviendras et tu parleras plus. D'accord. On aura acquis de l'expérience. Merci beaucoup. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On continuera de parler d'enfance, mais autrement, cette fois-ci à travers des initiatives de solidarité, des initiatives notamment celles de l'association ASEM qui active énormément pour le Maghreb à partir de la France. Restez avec nous. À l'instant, on va parler de solidarité et toujours de ce regard porté sur l'enfance à travers le mouvement associatif, en l'occurrence l'association ASEM qui nous vient de Paris avec sa présidente Nassera Arsouli Boudrich. Bienvenue. Merci à Canal Algérie qui nous invite depuis 16 ans. On est très content toujours de vous retrouver. Oui, le plaisir, il est partagé. Je suis présidente et fondatrice de l'association. Très bien. Rappelons un petit peu que c'est l'association La Chaîne Espoir pour le Maghreb, ASEM. Alors non, nous avons, vous savez, les associations avancent et évoluent chaque année. Oui, ça évolue. Aujourd'hui, nous nous appelons toujours ASEM. C'est Chaîne de l'entraide méditerranéenne parce qu'on s'est agrandi. Très bien. On est un petit peu dans une autre ville aussi, qui est à la frontière de l'Allemagne. Donc, on a mis aussi mot méditerranéen, bien que l'Allemagne, c'est l'Europe.
Si notre association, elle a un but humanitaire, oui, un but de solidarité. On vient en aide aux nécessiteux, mais principalement aux malades et aux enfants malades. Très bien, très bien. On va présenter les dames qui vous accompagnent ce matin, elles-mêmes, membres de l'association adhérente également. Donc, Kadem, c'est ça? Ah non, Kadour. C'est Kadour. Kadour, Rachida. Tout à fait. Bienvenue. Et merci. Puis Mounira Belhadef. Merci. Bienvenue merci à vous également. Vous êtes un petit peu le relais à partir d'Alger. Voilà, c'est alors c'est en construction, le bébé il va naître bientôt. Mm-hmm. C'est l'association ASEM qui sera une antenne, enfin une association qui sera créée en Algérie. Très bien. Parce que je préfère pas dire Alger parce que ça sera pour tous les Algériens. Oui, ça touchera un petit peu. Voilà, tous les Algériens. Je ne peux pas donner le nom de la ville parce que. Oui. Jusqu'à ce que ça se concrétise. Voilà. C'est bien. C'est prudent de le faire et moi je préfère en tout cas que ce soit sûr. Voilà. Alors, ASEM nous a habitués chaque année à une action vraiment caritative, de qualité en faveur des enfants hospitalisés. Vous avez encore repris donc cette activité cette année. Vous étiez là à l'occasion de l'Aïd, l'Fitr. Donc, voilà, votre participation s'est faite sur plusieurs états, plusieurs lieux. Allez, on va faire parler mesdames d'abord. Alors, qui commence par nous parler de cette caravane organisée durant cette Aïd? On a travaillé tout le mois, oui. Radia. Oui, oui, oui. Le mois, on a fait des repas. Très bien. En France. Les repas caritatifs. Rachida, elle va parler. Parle des repas, Rachida. Voilà, nous, on fait des repas caritatifs pour les gens nécessiteux. Oui. J'aime pas le mot SDF. Pour les gens qui sont nécessiteux. Alors, on récolte des denrées par alimentaire. Les personnes alimentaires, des gens. J'emmène à l'association et Nassera Arsouli qui fait la cuisine. Maintenant, on va même l'inviter à faire des mariages parce qu'elle est capable elle est capable d'organiser un couscous pour 400 personnes. Je vais banquer. Je ne me croyais pas capable. Oui, mais à force. Mais un jour, je me suis retrouvée toute seule. Et j'ai vu ces jeunes et ces mamans, ces familles, des familles syriennes aussi, palestiniennes et tout ça. Je me suis dit, africaines, algériennes, de tout bord. Je me suis dit, mais je ne pourrais pas rentrer chez moi, je rentre. J'ai dit, je vais essayer de faire. Et je me suis surpris moi-même à faire à manger pendant le mois du Ramadan pour 400 personnes. 400 personnes. Donc on a servi à l'UCA, ancienne amicale des Algériens avec l'association l'UCA, l'Union des Algériens de France. Nous avons travaillé tout le mois du Ramadan et nous avons préparé... Et dès la première semaine, en tout cas, vous aviez commencé jour. Voilà, dès la première jour. Semaine, premier jour, voilà, l'appel Ramadan. Avait été lancé sur vos réseaux donc, sociaux à l'avance. D'ailleurs, quand on parcourt la page, on voit tous ces messages, des comptes rendus. Nous avons tant, nous avons telle quantité, nous avons c'est atteint vrai. Telle quantité. Ouais, des comptes rendus qui donnent un petit peu... qui mettent en valeur la transparence de l'action aussi. C'est valorisant aussi. C'est très important. Oui. Et nous, je peux vous dire une chose. La première chorba que j'ai goûtée, c'est quand on est arrivé à Alger. D'accord. Je me suis jamais assise, ni moi, ni les bénévoles en France, parce que pour nous, donner à manger aux autres, c'était du bonheur pour nous. Oui. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Vous avez perdu combien de kilos entre-temps? Quatre. C'est bénéfique, ça peut être bénéfique Quatre. Quand on voit, c'est Quatre. Pas mal. Mais c'est je m'en fous de mes kilos. L'essentiel, c'est de perdre le poids ou que même temps. Non, vous êtes rayonnante. Et ce que pour la caravane, pour l'Aïd, comme c'est la 16e édition, jamais, au grand jamais, tant que le bon Dieu nous donnera la santé, on ne pourra laisser les enfants de l'Algérie qui sont hospitalisés. Et nos sages. Je n'aime pas le mot vieux, parce que les Oulay Chibani, c'est un mot de collant pour moi, ce mot-là. Oui. Et vieux, ce n'est pas tout le monde qui a de la chance d'arriver à la vieillesse. Très bien. D'accord. Donc, nous avons, pendant la dernière semaine, avec Rachida, avec Nadia Ahmad, qui est repartie parce qu'elle a laissé quand même ses enfants très jeunes, mais elle vient toujours avec nous pour passer l'Aïd pour les enfants, qui nous a énormément aidés. Il y avait trois élus de il y a Mohamed Kemlich et Karim Alouach, Hassina Chitouh, Amina Bouatlaoui Dhabi qui est trésorière et qui a travaillé comme une malade. Moi, Rachida Alila, je ne vais pas la citer. Plein d'autres personnes, ça c'est les membres de l'association en France. On a fait une semaine pour préparer l'action de l'Aïd. Et en une semaine, on est venu avec énormément d'excédents. Et je tenais quand même à remercier une seule personne. C'est l'élu de la communauté algérienne en France, M. Jamel Bourras, qui nous a
facilité, disons. Il nous les a payés, les bagages. Ah, faut excellent. Pas oublier ça. Oui. C'est très important parce que nous sommes beaucoup critiques, mais quand il y a un truc positif, il faut être reconnaissant. Absolument, voilà. Absolument. Donc, les étapes pendant ces festivités de l'Aïd, cette célébration, ce sont le coup d'envoi de cette participation qualitative de l'association ASEM, c'est fait d'abord au CPMC, c'est incontournable, les cancéreux, alors, les enfants. CPMC, depuis 16 ans. Et 6 autres services, en fait. On a fait le CPMC, comme chaque année, d'ailleurs, les infirmières et tout, ils nous connaissent, et ils viennent nous embrasser et tout ça. Ça y est, vous faites partie de la famille, c'est bon. Pas de problème. Après, on a terminé le CPMC, on a fait 6 services à Mustapha. Oui. C'est en train de passer. Donc, j'ai pris un clown, j'ai oublié. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux depuis la France. Et Mimo, que vous voyez, il m'a contacté via Viber. Et on s'est donné rendez-vous. Et je l'ai appelé quand je suis arrivée à Alger. Il ne faut pas oublier qu'on est venu 3 jours à l'avance. Et nous sommes allés racheter des vêtements et des jouets. Parce que malgré les excédents qu'on avait... le nombre n'était pas encore. On n'en avait pas assez. Le nombre souhaité n'était pas encore atteint. On n'en avait pas assez, alors qu'on était déjà arrivé à 4 avec déjà 35 kilos, plus les 20 kilos qui nous a payé le député. Et on n'avait pas assez. Donc on est parti avec d'autres personnes qui feront partie de l'association ASEM Alger, qui était à notre disposition, et Al-Shafiq. Et le deuxième, son prénom, Nassar, Yassid Ahmed, que je remercie, Jamel, mon neveu, parce que la famille, on les met dedans, Jamel, Essia, Oukhlifa, mon neveu, qui sont venus, Mariam Atek et sa maman, ils nous ont déplacés partout avec la voiture, ils nous ont aidés. Donc, on a passé 3 jours en train de faire des achats. Excellent. Pourquoi ? Parce que les femmes, on est allé Mustapha 6 services, l'hôpital Mayo avec qui on travaille tout le temps parce qu'on a fait plein d'actions avec eux, on a fait des actions culturelles, éducatives. Mm-hmm. Donc Mayo, on a fait la concéro d'abord. Et après, nous sommes allés... Il faut dire que c'est un hôpital quand même dont les expériences pilotes sont nombreuses. Ils nous connaissent, ils ont une énorme confiance en nous et nous aussi. Mm-hmm. Donc ils nous connaissent, il n'y a pas de souci. Donc à l'hôpital Mayo, nous avons fait 3 services, la neuro, la pédiatrie, la concéro. Oui. Après de là, nous sommes partis à Sidi Moussa. Là, c'est l'entrée du CPMC, vous voyez tout le monde qui était avec nous. On est allé à Sidi Moussa où il y avait un foyer d'handicapés adultes, de personnes seules, abandonnées, où ils n'ont personne. Et eux, on peut pas ne pas y aller, hein, sinon je suis malade. C'est vraiment excellent. Donc l'objectif, c'est de passer avec eux un petit moment, de leur offrir des cadeaux, parce qu'au matin, on leur a offert des robes, les hommes, c'était des montres. En tout cas, vous avez dessiné le sourire sur ces visages qu'on voit déjà à l'antenne, et c'est ça qui est très bien. Oui. C'est ce que certainement vous aimez, mesdames, également. Donc vous appréciez ces moments de partage. C'est du bonheur pour nous. C'est des moments inoubliables. Oui, c'est du bonheur. On a partagé la joie de l'Aïd avec les enfants cancéreux, avec des mamans, avec des papas, etc. Donc c'était... Il y avait un autre chat. Oui. C'est émouvant. Vous avez l'habitude de le faire, Mounira ? Oui, on a l'habitude de le faire, oui. Avec nous, c'est la première fois. Avec l'association ASEM, c'était pour la première fois. Très bien. Et c'était on a fait ça avec un grand plaisir, avec du joie, surtout avec Madame Nassera et Madame Rachida. C'est des femmes actives. Et Rachida, vous avez l'habitude quand même d'organiser ce type de... Oui. Rachida, elle est à nos côtés, hein. Mais Rachida, ça fait 40 ans que je suis dans le bénévolat. Très bien, mais dans quel type d'association vous activez habituellement ? Est-ce que vous êtes affilié avec ASEM ? Parce qu'on n'a pas que ça. Enfin, en France, on a les malades, on visite les personnes hospitalisées. Okay. J'ai beaucoup d'hommes aussi qui vont visiter des hommes. En fait, voilà, c'est la mission première un petit peu d'ASEM, c'est de venir en aide. De venir en aide aux personnes malades, essentiellement les enfants. Voilà. Ça a commencé par les enfants, mais vous avez après, ça s'est agrandi parce que quand un adulte nous sollicite, on ne peut pas lui dire « Khouyakat Trek ». Non, on ne peut pas. Oui. On est obligé. Il y a le financement, il y a l'accompagnement. Et on n'est pas. Alors, je vous explique. Oui. Hein. La psychologie, un tout. On a tout. L'apport administratif, tout. On a des médecins. On a des médecins.
On a fait une mission humanitaire médicale. On a emmené des médecins, des infirmières. Rachida faisait partie de la caravane. Où nous sommes allés faire une journée conférence à l'hôpital d'Akbou. Et moi, j'ai travaillé une semaine, Fissabilillah, avec les infirmières d'Akbou pour échanger les bons procédés. Très bien. Parce que chacun a sa façon. Elles étaient très heureuses, elles ont appris beaucoup de choses. J'ai fait une journée d'enseignement sur les escarres, parce qu'ici, on est une association agréée. Oui. On vient avec des ordres de mission, on vient avec les assurances. Mais vous êtes connue, inutile de nous montrer. Non, mais vraiment, on vient madame, avec des assurances, on fait des reçus vraiment, fiscaux. Oui. Ce qu'on voudrait, c'est que les Algériens qui ont les moyens en Algérie nous viennent en aide. Oui. C'est pour ça qu'on est en train de créer cette association en Algérie. Oui, ce sont des passerelles qui ont besoin de mécènes. Parce que c'est entre les deux rives. Parce que il doit des matzfaks qui manquent au Hnaïa, mais si on a demain, on applaudit. C'est vrai que jusque-là, les entrepreneurs qui sont de la diaspora ont joué le jeu quand même. Là-bas, là-bas, on a eu. Parce qu'ils font. On a Nasser Amenadi, qui est journaliste dans une radio en France, qui est la marraine de l'association, qui est toujours avec nous. Elle ne nous a jamais lâchés. On a Nadia Ahmed, qui est. C'est mon bras droit. C'est une élue. C'est une Algérienne. Et qui a des enfants de bas âge et qui est jeune et qui s'est battue durant tout le mois de Ramadan. On a Mina qui est professeure d'enseignement, elle n'est pas là aujourd'hui parce que c'est les examens là-bas en France, qui s'est tuée. Mina Dehbi et Boatlaoui, on ne voit pas le Ramadan. Je ne pense pas qu'on pourra, la liste doit être elle un peu longue. Elle est très longue, mais les importants, c'est voilà, Karim El-Wesh. Karim El-Wesh et sa femme, il ne faut pas les oublier, c'est important. Il ne faut pas oublier la famille de Madame Hamed qui nous a aidés. Toutes ses belles-sœurs et tout ça. Et il ne faut pas oublier Mohamed Kemlich, qui est aussi élu. Sinon, la diaspora, mais à Ounounesh. D'accord, pas tous, du moins. La majorité, la majorité, non. D'accord. Il y a surtout les bénévoles, vous voulez dire. Non, il y a des adhérents, les bénévoles, les membres actifs. Hado, c'est des membres d'honneur, que je viens de citer. Hado, mais oui, c'est des membres d'honneur, mais ils sont actifs. Bah, occasion est donnée, alors, sur ce plateau, de lancer l'appel, autant ici que ce là-bas. Ce que je souhaiterais en France, c'est que venez adhérer, on ne vous demande pas grand-chose, l'adhésion. Vous faites partie d'une adhésion, ça nous permet, nous, de fonctionner. Et en Algérie, on appelle à tous les industriels français, algériens. Parce que c'est une contribution symbolique à la base. Il faut nous aider. Vous avez un reçu fiscal, quel Hassanat Arbe. Le reçu fiscal, il est quand même de 66%. C'est pas rien du tout. Et qu'on travaille tous ensemble. Ici, j'ai beaucoup d'Algériens. Mais c'est les gens qui viennent nous aider. Oui. Qui viennent nous aider pour nous porter les bagages, venir avec nous, voir les malades. Ils ont pleuré. Je peux vous dire, c'est des fois, vous rentrez dans une chambre, vous sortez en larmes. Très bien. En tout cas, on espère qu'ils seront plus nombreux encore à soutenir ASEM. Que je donne juste le numéro de la France, mais je rentre demain, moi. Oui. Les gens qui veulent me contacter en France, c'est le 06 30 76 91 54. C'est très important. Autrement, sur les réseaux sociaux, www.asem, tout ça en attaché. .com, ça c'est notre site internet. Donc vous avez tout, vous pouvez nous contacter. En tout cas, ils tapent ASEM, ils vont trouver. Ils taperont sur Google, ASEM, on est connu et reconnu. Alhamdoulilah, Rabbi qaddarna bark. Merci beaucoup. Alors je voudrais parler de ce jeune. Oui, et il y avait un auteur qui vous accompagnait, qui a vendu des dédicaces dans les différents lieux grâce qu'on a cités. Grâce à cet auteur, Mariam Attek, je te fais des gros bisous, ma fille, parce que maintenant je l'ai adoptée. Je l'appelle ma fille parce qu'elle a été tout le temps avec nous. Cet auteur, il a fait un livre Al-Sabr. Oui. Par la souffrance et tout ça, et c'est très important pour les enfants. Il m'a contacté, il m'a demandé est-ce que je peux venir offrir un livre à un enfant. Osmouzine Din, il a dédicacé tous ses bouquins à tous les enfants malades, il a passé toute la journée avec nous. Au fait que je lui souhaite un long avenir dans ça. Merci. J'aimerais beaucoup. Bien qu'il soit Zindin invité un jour. Bounjar. Vous pouvez le garder. Voilà, si Zindin Bounjar vous a accompagné dans cette œuvre caritative. Dernier mot, mais vraiment rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive au terme. Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles, le groupe qui était avec moi en Algérie. On a fait presque la même chose ici en Algérie, avant le Ramadan.
la préparation de la koufa, et on a fait les vêtements de l'Aïd, etc. Bien sûr, en collaboration avec ma papa Nassera. Donc je tiens à les remercier tout le monde et merci beaucoup d'avoir été présents. Bah, nous aussi on vous remercie Mounira Belhadef et on remercie également Madame Khaddour Rachida, membre d'ASEM et la présidente Nassera Boudri Charsoudi. Je félicite. Ça risque de se couper. Non. Je félicite. Moi j'ai dit au revoir mesdames et messieurs. Non, je félicite ma nièce qui a un bébé. Je te félicite ma puce, ma fille Fatiha, pour la naissance de ton bébé. Et merci d'avoir donné le prénom que je voulais. Oh, excellent. Voilà. Mabrouk. Merci, mesdames. Merci à Canal Algérie de nous avoir invités et de nous avoir donné l'occasion. Merci à tout le monde. Vous êtes vraiment merveilleux. C'est vous qui l'êtes, mesdames. En tout cas, merci beaucoup. Longue vie à l'association et à toutes ces œuvres caritatives en faveur des enfants malades, de l'enfance malade, en tout cas. C'est la 16e année que nous sommes là sur Canal Algérie et on est fidèles. Et merci à vous parce que grâce à vous, les gens arrivent à nous connaître. Et merci également à vous qui êtes fidèles à Canal Algérie. Passez une excellente journée et à demain. Merci, au revoir.